Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais une aquarelle toujours sur le même format, 40,5 par 29,7 moins 25 mm de ruban qui fait office de passe-partout. On est en automne, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais un paysage d'automne. Des tons chauds. J'ai rien de dans la tête pour l'instant. Moi, je vais mouiller le papier afin d'avoir des tons plus doux, des tons chauds, des rouges orangés, des bruns. On va bien voir. Peut-être un peu de ciel bleu, peut-être au fond. Peut-être pas assez bleu. Il faut toujours du bleu. J'aime bien les chemins, c'est vrai. Un chemin pour être j'esquisse à peine. Voilà. Beaucoup de bleu, je ne voulais pas autant, mais c'est pas grave. Le bleu jaune, ça fait du vert. Les arbres sont verts. Enfin, pas tous, mais. Faites pas attention au chien. Bon, c'est bien humide pour l'instant. Un peu d'oranger. Je prépare un peu là. Ranger. S'il fonce un peu parce qu'il y avait un peu de gris de peine. Ça fait une terre de sienne. Ça ne me dérange pas. Je cherche mon pinceau. Ouais, toujours je cherche, c'est pas possible ça. Pourtant j'ai rangé. Ouais, c'est ça que je cherchais. Un pinceau affilé. Pour esquisser des troncs. En quelle couleur? Un gris de peine peut-être. C'est tombé juste à côté. C'est pas très automne pour l'instant. J'aime bien ça. Le papier sec. Je vais essayer de garder. Mais comme on n'a pas fini, ça m'étonnerait que ça reste jusqu'au bout. Dans une forêt, il y a toujours
pleine d'arbres, de branches. Un fouillis pas possible. La nature, quoi. Moi, j'aime bien mon petit chemin, là, ça va. Un peu de problème tête. Et une grosse tache. C'est pas bien ça. Faire des taches. Au bout du chemin, la lumière. Ouais. Je vais quoi? Je sais pas ce que je vais attendre un premier séchage peut-être avant de continuer comme je fais d'habitude un peu peut-être aussi nettoyer le fond là. Faire comme si la lumière arrivait de la veine de lumière quelque chose de plus je prends un papier un mouchoir en papier tout propre. En fonçant autour, ça fera plus clair. Je vais laisser tomber pour l'instant. On verra tout à l'heure. Je commence à sécher en partie. C'est assez frais encore. Le papier gondole. Mais on va continuer. De l'oranger avec un peu de degré de peine qui reste je vais garder quand même de brun. Il est plus... Il est moins. Il en faut davantage pour relire. Assister.
Bon, pour l'instant, l'oranger, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme je viens de tout mouiller, ça va se fondre. Ça va pas faire des choses très très nettes. Ça va s'estomper. La lumière au fond, elle s'en va. Mais elle y est toujours quand même. Je vais les laisser sécher pour cette séance. Je peux faire absorber un peu. Ce papier, suit tout. Attendez-moi. Le papier essuie-tout est plus riche. Il devrait laisser des marques plus intéressantes de feuillage. Et je prends d'un côté et je mets de l'autre côté. Voyons voir, j'en prends un peu carrément du. De la couleur. Et je recommence. Je vais laisser tomber pour l'instant. Je vais peut-être... Si je vais goûter un peu. Je vais envoyer de l'eau plus ou moins claire. Plus ou moins clair pour faire pour dégager la couleur, faire des blancs. On le sent là, voyez. Bon, je laisse sécher et on continuera après. Ça commence à devenir intéressant. Bon, j'ai séché un peu au sèche-cheveux. Je vous épargne le bruit. Et on va continuer. Je vais continuer par les... Un peu d'iris de peine, un peu de brun, travailler un peu sur les troncs, hein. Un peu plus quand même. C'est des teintes qui sont plus dures à prendre. Les brunes, je sais pas si ça vient de mes peintures, la marque ou je ne sais pas, ben, c'est pas grave. C'est un peu trop symétrique, mais je pense que je vais rajouter un tronc.
vais le faire plus épais. Un gros arbre. Un gros narbre. C'est pas comme ça qu'on dit. On a le droit de plaisanter un petit peu quand même. Comme les avions ou les navions. C'est compliqué le français, ma pauvre dame, mon bon monsieur. Moi, je vais prendre le pinceau affilé. Ça serait pas plus mal. Branches par-ci par-là. Je vais faire un arbre à côté, un peu moins foncé. Mais peut-être d'autres. Faire des choses trop symétriques ou parallèles, faut que ça soit vraiment aléatoire. La nature, elle pousse où elle veut. Ah, ce truc que j'aimais bien là. Bon. Ouais, ça le fait. Est-ce qu'il y a... Voilà, je cherche encore. J'ai de la place et puis j'en manque quand même. C'est fou ça. Mais c'est ça que je cherchais. Le faire que là où c'est encore frais, c'est-à-dire pas partout, plutôt. Bon, c'est mieux quand même, c'est un peu plus de prétence. Je vais faire quelques ombres sur le chemin quand même, ça meublera un peu. Qu'est-ce que je prends, du brun ou du bleu, ça me gêne un peu. Du gris de peine. Avec un peu de bleu peut-être.
On sent pas beaucoup de bleu. C'est des couleurs qui sont dures à prendre. J'ai défait mes arbres que j'avais mis au deuxième plan là. Et comme vous le savez, faire et défaire, c'est toujours du travail. Je pense que je vais laisser. Attendre que ça sèche, que ça garde sa bonne couleur, et je verrai ce que je fais après. Je vais sûrement faire. Des personnages. Sur ce joli chemin. J'ai fini de sécher au sèche-cheveux. J'ai encore une ou deux séances là. Mettre quelques accents de lumière, des ombres encore. Quelques contrastes. Un personnage peut-être. Un animal peut-être. Chevreuil ou un cerf qui traverse au fond. Je sais pas. D'abord l'ensemble. Du gueule de peine que j'ai mélangé avec un peu de rouge là. Rouge, c'est même pas un rouge, c'est pas un rouge foncé, je sais pas, le cadmium là. C'est quelque chose de foncé quoi. Et ça a l'air, ça fait une bonne ça fait une bonne couleur. Chien à bois. Bon, le chien est sauté maintenant. Je peux continuer.
dans quelques accents de. Des valeurs sombres. Merde. Un coup de pinceau, c'est vite donné. Moi, j'ai bien rattrapé le blanc, le fond là. On verra la prochaine séance, peut-être. Avant de continuer à mettre. Des effets de couleur, de lumière. Je sais pas. On laisse tomber pour l'instant. Bon, on va essayer de finir cette aquarelle. Nous sommes le lendemain. Le papier a séché. Je l'ai pas mis. Il est gondolé. Je l'ai pas mis à sécher dans un carton. C'est une erreur. Enfin, c'est un peu embêtant parce que c'est pas une surface plane, c'est plus une surface plane. Et on va faire quand même avec quelques petites feuilles jaunes. Je prends du jaune et du blanc pour faire un peu de contraste. Il y a beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Du jaune, un peu d'orange pour varier un peu.
Je pense que je vais faire un cerf qui traverse au fond, là, après que mes feuilles aient séché, là. Peut-être accompagné de... En général, quand un cerf traverse un chemin comme ça, il n'est jamais tout seul. Alors, je pense que je vais en faire plusieurs. Il ne manquera plus qu'à signer après. Et puis ce sera beau. Peut-être je ferais bien du vert clair. Vert tendre lumineux, vert jaune. Je suis pas sûr de pouvoir y arriver, quoique j'essaie de ouais, pas assez jaune. Ça donne pas tout à fait ce que je veux, mais un petit peu quand même. Bon ben on va. Je vais laisser sécher. Ça me plaît bien quand même. Et je ferai des petits personnages. Enfin, un personnage après. Bon. Donc je vais. Bon, ça a séché pratiquement, là c'est un peu encore humide, mais c'est pas grave, je vais travailler sur un cerf, quelque chose, enfin un cerf vidé qui va passer là, peut-être avec d'autres aussi, des silhouettes. Je vais prendre du gris de peine, ma palette un petit peu léger, ne jamais passer au-dessus de l'aquarelle avec de l'eau, sinon, mais bon, je déplace mon eau, je manque un peu de place, je sais pas, je suis pas installé comme il faudrait. Bon, je commence. Bon, le papier a eu le temps de sécher, évidemment. La taille, on va lui faire. En général, il vous regarde comme ça. Ne pas rentrer dans les détails. Essayer de lui faire des cornes, ça serait le mal. Bon, on dit que c'est bon. Très bien d'avoir un autre derrière.
me va. Un autre qui arrive par là. Oula. Donc, ils sont malheureux. Je vais essayer d'essuyer. Je vais prendre un peu d'eau et enlever ce museau. Ouais, c'est mieux. Et là, on dirait un chien. Lui faire des bois aussi, c'est un jeune cerf peut-être. On va en faire un qui rentre dans le bois, là. On fait une espèce de silhouette. On peut faire. En général, quand il y en a un, il peut y en avoir un paquet. Un autre qui peut arriver de là aussi, qui sort de. Les feuillages. On va essayer. Je rince un peu, mais on va faire quelques ombres. Oui, je sais, j'ai fait des ombres qui vont comme ça. Mais bon, on peut avoir. On rêve, hein, on se fait plaisir. Non. Voilà. Et je vais en mettre un petit là. Et pourquoi pas. Un petit avec la maman peut-être. Donc je vais dire que c'est bon. Et une autre. Je sais pas trop. Peut-être, c'est pas grave. Bon, ça me satisfait. Je vais mettre un peu de blanc là plus. J'ai envie de faire ressortir un petit peu. Je vais prendre un plus gros pinceau. Pas du blanc blanc, mais pour moi ça me va. Et vous, ça vous va? Bon, je vais signer en blanc ici, tiens. Avec mon Posca blanc. C'est du je sais pas quel numéro c'est. C'est un des plus petits. Moi ça me convient. Je vais enlever le papier, le ruban adhésif.
les dessous. Yes. On va commencer par ce côté. Ça se passe pas trop mal, le papier ne s'arrache pas. C'est la crainte que j'ai toujours et qu'il faut avoir, de ne pas abîmer le papier. Quand ça colle trop, ça arrache le papier, c'est un peu dommage. Donc je vais l'appeler les habitants de la forêt. Pourquoi pas? J'avais mis automne, j'avais pensé à automne, mais les habitants de la forêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous êtes d'accord, c'est super. Et je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Un commentaire, ça fera plaisir. Enfin, je vous remercie et puis à la prochaine.